quatre frères à l'origine, ils sont des grisons. Ah, et puis en 2001, ils sont partis en Australie. C'est pas possible. Et pour le nom de leur groupe, ils ont emprunté en fait l'adresse qui était la leur à Adélaïde en Australie, 77 Bombay Street. Et les voici avec un titre qui est pas moins que l'hymne des championnats du monde de ski alpin de Saint-Moritz. Mais non. Oui, c'est Empire. Breaking down, stand a little bit taller. You gotta pick yourself up, don't you get any smaller. The fire's burning in your bones, you can always win. Light it all up and then I wanna hear you sing. Seven Bombay Street avec ce titre hymne des championnats du monde de ski de Saint-Moritz. Matt, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Merci, on est très heureux de vous avoir en Suisse romande, on vous adore. Vous avez réuni toute la Suisse, hein. Vous avez réuni la Suisse alémanique qui vous connaît bien, la Suisse romande maintenant aussi, toute la Suisse. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir écrit ce titre qui va donc être l'hymne des championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz? C'est une très grande honneur pour nous que nous pouvons faire ça.
Et on n'a jamais fait quelque chose comme ça. Jusque maintenant, on a seulement écrit des chansons comme des quatre frères ensemble. Et maintenant, pour la première fois, on a pu écrire une chanson pour un but. Mm-hmm. Et c'était très intéressant pour moi comme écrivain. Et puis le texte est magnifique parce qu'il dit il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant, oui, hein, c'est important. Ça, oui. Et puis surtout, le refrain reste dans l'oreille. On l'entend deux fois puis on a envie de le chanter. Vous avez toujours fait des chansons dont les mélodies restent très facilement. C'est des petits gimmicks, comme on appelle ça. Trois mesures qui tournent et tout le monde les chante avec vous. Toutes langues confondues. Merci. Merci Matt, merci 77 Bombay Street avec un bel avenir en 2017. Je pense qu'il y a plein de spectacles, plein de concerts, de choses comme ça. On verra. On verra. On se réjouit en tout cas de les partager avec vous. Et ce soir...